Le mouvement citoyen Gudia Talala prépare une grande conférence à Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga du 29 au 30 août 2024. Cette conférence, qui portera sur le thème « Les défis politiques, économiques et sociaux du développement de l'espace Grand Katanga », réunira près de 500 experts en développement, notamment des acteurs politiques, des opérateurs économiques, des miniers ainsi que des membres de la société civile. Ce dimanche, l'équipe d'organisation dirigée par Jean-Pierre Mouteba, président national de Gudia Talala, s'est rassemblée pour finaliser les préparatifs de cet événement d'envergure, avec pour objectif d'assurer une réussite totale. Nous tenons à vous confirmer la tenue du forum sur les défis et les perspectives du développement de l'espace Grand Katanga, développement politique, économique et social. Le forum va se tenir du 29 au 30 dans la salle de Haroupé, sur l'avenue Kibela-Balanda. Il y aura des invitations papier, nous allons les distribuer à Lubumbashi et à Kolwezi pour que les notables des deux provinces viennent participer à ce débat. La conférence se tiendra dans la salle Haroupé et proposera plusieurs thèmes clés relatifs au développement du Grand Katanga. Et comme vous l'avez suivi à Kinshasa, du chef de l'État lui-même, que la Constitution n'était pas favorable au développement, que la Constitution bloquait le développement. Au lieu qu'on laisse le débat à Kinshasa, nous allons aussi ici débattre de cette question avec les opérateurs politiques, c'est-à-dire les membres des partis politiques, aussi bien de l'opposition que de la majorité. Nous allons débattre avec la société civile, les églises, les associations des femmes, les jeunes, pour que nous puissions tous discuter de l'expérience des habitants du Katanga, aussi bien des Katangais que ceux qui ont choisi le Katanga comme leur province d'habitation. Nous allons en inviter quelques-uns pour que nous puissions discuter de la question de la Constitution. Nous allons discuter aussi de la question minière, parce que vous savez que nous sommes dans une zone minière, la question de la sous-traitance, la question de la pollution de l'environnement, la question de l'artisanat minier, et donc toutes ces questions-là qui vont faire l'objet de débats. Ceux qui veulent bien participer peuvent nous contacter et nous pensons que nous aurons le maximum de gens pour pouvoir donner son avis dans ces débats. Un débat qui est national, mais pour que ce débat soit national, il faut qu'on en discute aussi dans nos maisons, dans nos quartiers, dans nos provinces, pour que cela remonte jusqu'à Kinshasa. Gudia Talala, en tant que mouvement citoyen, se concentre sur la défense des droits des Katangais, en particulier dans le domaine de la sous-traitance, et vise à apporter des solutions concrètes aux défis régionaux et nationaux.